Salut à tous, c'est Animat74 et on se retrouve donc pour la 12W36A. Donc une snapshot qui est sortie aujourd'hui 6 août, le jour de la rentrée. Donc pour les collégiens, je parle, pas obligé tous, mais chez moi c'était aujourd'hui. Donc on va aller sur la map spéciale où j'ai fait des bêtises. Donc j'ai préparé un peu le truc. Donc oui, vous avez vu des nouveaux blocs, certains trucs. Alors. D'abord, en premier temps, on va voir des blocs de déco, un peu comme ça, donc on peut poser, une sorte de trophée. Ensuite, il existe d'autres formes. Donc, je vais rester sur un point, c'est donc, ce masque-ci. Vous devez vous demander ce que c'est. C'est un nouveau squelette. Donc, qu'on verra juste après. Ensuite, donc, une canne à pêche bizarre. Qu'est-ce à quoi ça sert? Donc, c'est pour attirer tout simplement les cochons. Alors, je sais pas si ça marche pour les autres mobs, mais en tout cas, pour les cochons, ça marche. Donc, pour la crafter, je vais vous montrer, c'est simple. Vous prenez une carotte et une canne à pêche, une table de craft. Donc ensuite vous le mettez comme ça ou comme ça et vous avez la canne à pêche avec la carotte. Donc, il faut être à une certaine distance. Voilà. Ça a l'air de bien marcher. Ensuite un bloc un peu mystérieux en développement, donc le beacon. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc je sais pas encore à quoi trop ça sert, ils ont pas précisé. Si vous avez une idée, mettez-la en commentaire. Ce serait sympa. Ensuite, donc, à propos de des maps, l'autre fois, j'ai oublié de préciser quelque chose. Donc, c'est par exemple, je crée la map. Donc voilà, j'actualise la map. Et il me semble que pour la zoomer ou dézoomer, il faut faire la même chose que normalement une carte avec une boussole. Sauf que vous l'entourez de papier et voilà. Vous avez carte 1 et ça couvre une plus grande surface et ainsi de suite. Je crois que on peut il y a plusieurs zooms, hein, jusqu'à un énorme zoom il me semble. Donc vous voyez, donc là ça s'actualise plus lentement parce que c'est un plus gros rayon. Voilà, précision que j'avais oubliée. Une autre précision, c'est l'ancienne maison. Une autre précision, c'est les zombies. Donc, il y a des nouveaux zombies PNJ qu'il y avait aussi dans l'ancienne snapshot. Et vous avez entendu un Skype. J'avais oublié de préciser. Hein, ça aussi, c'est dans l'ancienne snapshot. Voilà, c'est une vidéo rapide de mage. Je vous ferai pas de vidéo survival tant que la 1.4 ne sera pas sortie ou que ce soit un peu plus concret dans les snapshots, parce que là c'est pratiquement que de l'inventaire créatif. Ah si, par contre, alors il y a un craft pour le beacon block. Alors je sais plus exactement, mais il me semble qu'il faut de l'obsidienne. Bon, en même temps, vous regardez le bloc, hein, puis c'est un peu tout ça. Et un nouveau truc qui est... donc vous le trouverez ici, finalement, sinon. La Nether Star. Donc, un nouveau bloc. Un nouvel item, pardon. Donc, si... Mais bien sûr, j'en ai pris qu'un. Je jette le truc en même temps, c'est magnifique. Donc, à mon avis, c'est 3 d'obsidienne et on entoure... Mince. Et on entoure avec du verre et la Nether Star au milieu. Bon, c'est une supposition, hein, mais... Enfin, ça aurait été logique. C'est ça. Donc, ensuite, comment avoir des beacon blocks? Alors, ça va être simple. Il vous faut... Alors, soit... vous avez des crânes de squelette comme ça. Donc, je sais pas comment on se le procure pour l'instant. Et vous faites... Un peu comme les golems de fer, ou vous avez le craft du golem de fer. Bah, en fait,
Vous faites exactement pareil, sauf que vous mettez 3 crânes comme ça. Et nous avons accès à un nouveau boss, vous voyez sa barre de vie en haut. Donc le Wither, ouais, je pense que je prononce bien. Et apparemment, donc, il envoie avec les têtes des espèces d'explosifs. Ça, c'est... Ouais, des têtes explosives en fait. Donc je vais vous faire vite la démo. Attendez 2 secondes. Je vais essayer de vous le tuer. Faire ça rapidement. On va essayer de prendre un enchantement. Bon, allez, 5. Franchement, 1. C'était juste pour aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Donc, sachant que je crois qu'il peut se régénérer un peu sa vie. Je l'ai pas encore bien étudié. Hein. Vous pourrez vous faire des tests. Voilà, je crois que. Ouais, après ça. Il devient. Il y a des lueurs vers lui. Et il peut changer un peu. Donc voilà, il a looté une Nether Star. Donc dernier point que donc vous trouverez. Alors mince, je me suis trompé. Je sais pas s'ils ont encore fait le s'ils ont déjà fait l'œuf ou pas du nouveau squelette. Non, on dirait pas. Alors si je l'ai raté, excusez-moi. Donc on va aller directement dans le Nether. Car c'est un squelette du Nether. C'est un Wither. Je crois que c'est Wither squelette, un truc comme ça. Et donc leurs caractéristiques sont pas très compliquées, hein. Ils sont déjà plus grands. Et ils ont une épée. Ils lootent quand même des os. Hein. Donc vous les trouverez dans les forteresses du Nether. Alors peut-être si c'est trop long, je vous couperai pour en trouver une. Mais normalement, ça devrait pas prendre plus de 30 secondes, je pense. Alors. On va aller vite. Alors. Là, il y en a déjà une. Ah, et on aperçoit déjà donc ce fameux squelette. Vous voyez qu'il est massif hein, quand même. Voilà. Bon, avec une épée en diamant comme ça, c'est sûr que ça va vite. Hein. Donc, pas de particularité. C'est juste que ça fait un nouveau mob. C'est toujours sympa. Donc là j'ai un peu de lag hein, parce qu'il charge le Nether. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des nouveautés. Sinon il y avait un truc notable au niveau comment ça s'appelle ? Des colores. Enfin quand on colorisait les cuirs. Je crois qu'ils ont fait une modification, mais minime, ça se voit pratiquement pas apparemment. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Oui, ça doit être tout. Bon, hormis les murets, je crois qu'on avait vu l'autre fois. Oui, on les avait vus. Rien de nouveau, hein. Donc, bien sûr, à mon avis, les squelettes, vous pouvez aussi les mettre dedans. Donc, ça vous marquera l'item. Alors, on peut aussi les mettre contre le mur comme ça. Et ça fera la même chose. Donc, c'est mieux de les mettre comme ça. Voilà. Vous pouvez faire... Alors, je sais pas si... Aussi, le bouton en bois... Donc, petit truc qui est activable avec un arc. Voilà. Alors, par contre, je crois que... Ah, je voulais faire un test. Parce que ça aurait pu vous servir de cible hein, pour vous entraîner. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour hein, cette fois. Vraiment tout le tour. Donc, on va se laisser là. Sur la mort de ce Blaze. À l'arc. Pourquoi l'arc, je sais pas. Voilà. A plus, c'est un Animat 74.